Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse importante donnée par l'érudit savant, Sheikh, docteur Abu Muhammad, Rabi Ibn Hadi, Omer al med qu'Allah ta'ala préserve. Une réponse au sujet de l'aumône de Al-Fitr. La question posée au Sheikh. Quel est le jugement légiféré sur le fait de donner l'aumône de El fitr en monnaie? La réponse du Cher Habib Allah: son jugement est qu'elle est non valable, et elle contredit la Sunna du Messager d'Allah que la prière et le salut soient sur lui, puisque les dirhams et les dinars existaient bel et bien au temps du Prophète que la prière et le salut soient sur lui, et autant des califes bien guidés. Il avait légiféré que la prière et le salut soient sur lui parmi ceux dont les gens se nourrissent. Il y a en cela une adoration parmi celles de l'islam. Or, le fait de verser de la monnaie ne permet pas cette expression et cette adoration. Nous devons donc nous en acquitter comme le messager que la prière et le salut soient sur lui avait ordonné. Fin de la réponse du Sheikh. Et la source de cette parole est le livre, M'arrahaban ya Bel ilm page 464. Walhamdulillahi rabbil alami.